Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour faire la vidéo carte de Noël que je vous avais promis. Donc j'ai fait un support comme ça avec le classeur de gaufrage que je viens d'acheter chez Tout en colle. Celui-là. J'ai gaufré un papier. Un grand papier comme ça, je l'ai inséré dedans. Voilà, ça fait cette taille-là. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait le même principe que dans ma vidéo précédente. J'ai utilisé les dailles bordures et j'ai maté avec du rouge, avec un papier rouge. Sur un papier aquarellable, je l'ai gaufré aussi. J'ai maté avec du rouge et j'ai utilisé ce tampon-là, le Père Noël, qui vient de Aladdin. Et je l'ai colorisé, donc je l'ai tamponné avec sur du papier craft. Je l'ai colorisé au polychromos. Bon, c'est vraiment très très simple, hein. J'ai fait ça assez rapidement. Donc, sur la feuille de comment? La feuille comme ça, papier aquarelle. Je vais mettre de l'encre comme ça, que j'ai commandé aussi chez Tout en colle. Je vous ferai une vidéo prochainement sur Total Craquage, achat chez Tout en colle, parce que comme ils ont beaucoup de techniques, comme Noël a fait. Beaucoup de nouvelles techniques que j'aime beaucoup avec ces nouveaux produits, et ben j'en ai acheté et je me suis fait plaisir. Donc je vous montrerai tout ça. Donc là c'est la bronze iridescente. Je l'ai acheté début du mois de novembre. Et je vous en avais déjà parlé d'ailleurs. Et du coup. Voilà, ça fait vraiment très joli, hein. Donc, ça donne ça. J'en ai mis partout. Donc moi je récupère sur un tampon mousse, enfin sur une mousse, pardon. Comme ça on peut faire des petits effets, hein. Et ça fait vraiment une couleur d'or, hein. Fait vraiment on dirait des paillettes d'or comme j'avais dit la dernière fois. Donc j'ai comme je suis abonnée à la box, j'ai reçu dans la box de décembre ce petit mot Joyeux Noël. J'ai mis ça dessus, c'est la pâte que je vous avais déjà présentée, hein, couleur or clair. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille comme ça, je vais le coller avec ceci, l'escargot de colle. Bon, vous collez ce que vous voulez, hein, la colle normale, du double face, ce que vous avez, hein. J'ai de l'encre plein les mains là et je vais en mettre partout. Donc je vais coller ça aussi. Au centre. Comme ça. Le petit Père Noël, je vais le mettre ici. Ceci. Ensuite,
Avec mon cutter, comme j'ai mon tapis là pour découper, je vais découper à ras. Alors aujourd'hui, je ne vais pas montrer mon visage parce que je ne suis pas maquillée. Donc là, c'est un petit peu dommage. Là, il y a de l'encre qui a bavé. Bon, bah tant pis. Et comme ici, ça ressort pas bien, j'ai comme idée de mettre du ruban comme ça. Alors c'est du ruban autocollant que j'avais acheté chez Cultura il y a un moment. Donc là, ça dépasse un petit peu, je vais couper. Et je vais coller les petites lettres Joyeux Noël. Bah, je ne les retrouve plus, bah, elles sont là. Voilà, je vais coller ici. Bon, c'est une petite carte toute simple, hein. Mais bon, j'ai jamais le temps, jamais, au moment de Noël, de faire des cartes comme ça, de faire des vidéos. Et ça me manque parce que j'adore et j'ai du matériel pour. J'ai des jolis tampons, j'ai des jolies petites choses pour faire des. Faut que j'attrape un tout petit pinceau derrière le téléphone. Voilà. J'en ai mis trop. C'est pas évident de faire les choses en direct. Donc ça, c'est de la colle à bois que j'ai acheté chez Leclerc. Voilà. Donc normalement, faut pas le mettre direct sur le bois, hein. Voilà, quand on veut se dépêcher, on fait des bêtises. Sinon, j'espère que vous préparez bien vos cadeaux de Noël. Là, c'est le moment de faire les créations, de fabriquer soi-même parce que c'est un plaisir d'offrir quelque chose fait main. Donc, donc, je vais mettre comme ça. Ça, c'est tout simple, hein. Et alors après, qu'est-ce que je pourrais, est-ce que je fais quelque chose en plus ou pas, je sais pas trop. Et vu que de toute façon là, là c'est vrai que là il n'y a pas de rouge pour mater, donc ça fait un petit peu bizarre.